Salut, c'est Sébastien de Tilipousse à Plévin. Alors je viens vous faire la suite de la greffe de vos arbres fruitiers. Vous vous rappelez, la première séance, on a greffé sur table des pommiers et puis on les a pralinés, on a enrobé les racines pour ensuite les planter et puis ben continuer la production de nos arbres greffés pour l'année. Donc voici la suite. Après que vos arbres aient été plantés, donc vous l'avez fait tout de suite après votre greffe ou quelques semaines après, en ayant pris soin de les mettre en jauge entre-temps pour pas que les racines sèchent bien sûr, vous plantez un jour où ça ne gèle pas, sinon vous allez abîmer vos racines. Okay? Une fois que vous avez planté, bah, il n'a pas besoin d'arrosage, on est en hiver en général, en fin d'hiver, au début de printemps, en mars par là. En moyenne. Et donc, ben, votre greffe va tranquillement se réveiller. Alors, plus il va le faire beau et chaud, plus ça va aller vite. En tout cas, dans les quelques semaines qui vont suivre, vous allez voir vos bourgeons. Vous vous rappelez, on en a gardé deux ou trois. Donc, ils vont progressivement pousser tous les deux, notamment, parce que moi j'en laisse deux. Ils vont pousser tous les deux. Ok, quand tout se passe bien. Alors, pas de précipitation. Les premières semaines, la greffe n'est pas encore complètement cicatrisée, jointe, et il va y avoir un stade où c'est uniquement l'énergie qui est dans le greffon qui va alimenter les bourgeons. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire que la greffe encore est réussie. La greffe est réussie à partir du moment où les branches, là, commencent à avoir une bonne longueur. Alors, pour bien faire, pour être sûr de son coup, on attend qu'il y en ait une des deux qui fasse au moins 10 cm à peu près. Et quand ça fait cette taille-là, on supprime une des deux. Donc, comment est-ce qu'on choisit cette branche? Eh bien, on prend tout simplement celle qui est la mieux placée. S'il y en a deux qui font 10 cm, eh bien, on choisit une des deux. Alors, en général, quand les deux sont bien, je choisis celle du haut, de garder celle du haut et je supprime celle du dessous. Alors pour les supprimer, il suffit juste, alors je vous le montre ici, de simplement l'arracher, hop, délicatement, à sa base. Voilà. Il nous en reste une alors. Là c'est un exemple sur une un peu plus petite, mais prenez 10 cm. Quelques semaines plus tard, on doit avoir une pousse bien franche. Et là, on sait que la greffe est réussie. Pour l'instant, on laisse le scotch. On ne touche pas au scotch puisque la greffe est encore très fragile. On va la laisser plusieurs semaines, plusieurs mois même. Moi, je tire les scotch entre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, quand ça commence à être trop serré, quand on voit que l'arbre commence à s'étrangler. Alors, ça c'est pour la partie qui pousse, ok? Au-dessus, donc c'est-à-dire au-dessus du scotch, au-dessus de notre ligature, c'est pas forcément du scotch. Pendant la saison de pousse, il va se passer un certain nombre de choses, et notamment, il va y avoir des rejets du porte-greffe. Alors qu'est-ce que c'est? Sous votre scotch, sous la pousse de l'année, en dessous là, il va y avoir les branches du porte-greffe qui vont pousser. Et là regardez, sur cet exemple-ci, j'ai une pousse du porte-greffe qui fait 15 cm. Cette pousse-là, moi je l'appelle un vampire, parce qu'en fait il vient prendre toute la sève, et là comme on le voit ici, ce greffon n'arrive pas à se développer. Donc tout ce qui pousse sous
le point de greffe, et cela dès les premières semaines de plantation, hein, tout de suite, il faut y être toutes les semaines, on retire systématiquement tout ce qui pousse en dessous. Alors, c'est vrai sur toutes les essences fruitières. Par contre, c'est capital de le faire sur notamment les pruniers, les pêchers, les cerisiers, enfin ceux qui sont greffés sur du mirobolan par exemple ou du Saint-Julien. Si vous ne le faites pas tous les 3 ou 4 jours, ça va vampiriser tellement vite que votre greffon va être desséché en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les pommiers et les poiriers sont plus conciliants avec ça. Donc, par principe, par précaution, faites-le systématiquement sur n'importe quel arbre fruitier. Tirez les bourgeons. On appelle ça les bourgeonnages ou les gourmandages, puisque c'est aussi des gourmands, afin de encourager déjà la pousse par le haut et puis faire en sorte qu'on soit sûr que la greffe soit réussie. Alors, notre greffe peut avoir poussé déjà de plusieurs centimètres. Il peut y avoir toujours des bourgeons en dessous, enfin des bourgeons, des gourmands en dessous qui ont poussé. Comme sur cet exemple-ci, le point de greffe est là. Et j'ai deux gourmands, des beaux gourmands ici, à retirer. Donc ça, c'est important vraiment de le faire. Très important de le faire régulièrement. Parce que en fait, ça va durer toute l'année quasiment. En tout cas, très important pendant les mois de mars, avril, mai, juin et un peu juillet selon votre saison. Et après, il faut continuer à surveiller un petit peu à chaque fois. Alors, au bout de plusieurs semaines, votre arbre va grandir, jusqu'à atteindre des tailles plus ou moins variables en fonction de votre porte-greffe. Vous voyez par exemple ici, en juillet, à l'extérieur, en Bretagne. Donc, je suis mi-juillet. J'ai des arbres pommiers greffés sur forte vigueur qui font 1,20 m. Des faibles vigueurs à côté font presque 1 m. Évidemment, ceux qui ont moins bien poussé sont plus petits. Donc au bout d'un moment, vos arbres vont être un peu serrés dans leur scotch. Donc ça se voit surtout quand on sent qu'il n'arrive plus à pousser. Ici, c'est pas le cas. Il est juste temps de tirer le scotch. La pousse fait déjà 80 cm. Et donc, du coup, c'est le moment de voir quelle tête a notre greffe. Alors, sur mes arbres de faible vigueur, j'aime bien rajouter des tuteurs. Donc, pendant la pousse, vous voyez, les faibles vigueurs, quelquefois, ont du mal à pousser bien fort, bien droit. Il suffit qu'il y ait du vent, ou alors qu'ils soient un petit peu à l'étroit dans la densité de la pépinière. Donc, ils vont chercher un peu la lumière et venir un peu trop sur le côté, quelquefois, et du coup, pousser en travers. Du coup, moi, je rajoute des tuteurs. Voilà, et au fur et à mesure, j'attache mon arbre durant sa pousse au tuteur. Alors,
avant votre plantation, vous aurez eu à préparer votre sol. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Une préparation de sol rapide, facile, efficace et bien pour le sol. Mais après la plantation, il va falloir le protéger, ce sol, et protéger et aider la pousse de vos arbres. Alors vos arbres, ils vont avoir besoin de ce qu'on appelle un mulch. C'est, disons que ça va être la chose la plus intéressante, la plus efficace et une des choses les plus faciles à mettre en place. Donc moi, j'utilise deux types de mulch dans ma pépinière pour les arbres. J'en utilise un troisième pour les arbustes. Le principal, de la tonte. Alors, il peut y avoir de l'herbe, il peut y avoir tout un tas d'herbes et de plantes sauvages fauchées, peu importe lesquelles, c'est du vert, c'est du frais, ça vient d'être tondu. Et ça, je le mets en direct, pas trop épais, surtout pas trop épais, mais ça, je le mets en direct sur ma ligne de plantation, autour de tous mes arbres greffés. Ça, c'est ce que je mets en direct. Mon deuxième mulch, c'est du BRF, du bois raméal, donc les branches, les jeunes branches, fragmentées, donc coupées en petits morceaux, déchiquetées. Alors ça a été fait en hiver, et ça a été mis presque dans la foulée, juste après le broyage. Essentiellement, dans les allées, entre mes arbres, donc là où je suis, là, hop, du mulch. Voilà, 5, 6 cm, autant que vous pouvez, maximum 10 cm. C'est très bien. Ça, ça va maintenir le sol frais, humide. Les plantes adventices, les plantes sauvages, vont avoir plus de mal à pousser. Ça va protéger du coup votre sol à plein de manières différentes. Et en même temps, ça va le nourrir en carbone. Alors, pourquoi j'utilise ces deux mulches? Tout simplement parce que ce mulch-là, même en étant frais, est très riche en carbone. Et si j'ai trop de carbone dans mon sol, eh bien, les bactéries de mon sol vont devoir puiser, vont avoir besoin d'azote pour aider à la décomposition de tout ça, et vont puiser là où il y en a, et notamment dans des plantes vivantes. Si elles le prennent dans des plantes vivantes, les plantes vivantes ont du mal à pousser du coup. C'est ce qu'on appelle une faim d'azote, F-A-I-M, la faim, on a faim. Donc c'est pour ça que l'herbe de tonte, là, la tonte, est très importante parce que c'est elle qui permet aux arbres d'avoir cet azote proche pour la pousse qu'elles ont besoin de faire cette année. Donc toujours, dans un premier temps, si on est dans la pépinière, toujours avoir les deux. Un qui enrichit le sol, et qui nourrit, qui active la vie du sol pour les années à venir et qui l'aggrade, qui améliore le sol tout le temps parce que ça va attirer des champignons, des vers de terre, tout ce qu'il faut, et de la matière fraîche pour nourrir directement les arbres les premières semaines, les premiers mois de leur pousse. Pour votre plantation, vous allez espacer les arbres sur votre ligne d'environ 15-20 cm. Sur la ligne. Ça, c'est pour qu'ils aient assez de place quand même pour se nourrir, pour développer leurs racines surtout, et puis pour avoir de la hauteur. Vous pouvez bien sûr les espacer plus largement. Moi, je cherche quand même à optimiser l'espace pour produire quand même un maximum sur mon mètre linéaire. Le deuxième espacement, c'est entre les lignes. Alors, il m'arrive d'avoir des lignes de petits fruits d'un côté, des arbres plus vigoureux d'un autre côté. La règle, c'est d'avoir minimum un endroit pour passer sans abîmer les arbres quand on passe. Donc ici, moi j'ai 50-55 cm. Ensuite, en ce qui concerne l'orientation de ces lignes, préférez une orientation dans l'alignement nord-sud, histoire que vos arbres soient également éclairés d'un côté comme de l'autre, et que toutes les lignes soient également éclairées de la même manière. Si vous avez des lignes alignées en plein est-ouest par exemple, en Bretagne,
En fait, l'éclairement de celles qui sont derrière seront toujours derrière, donc elles seront toujours moins bien éclairées que celles de devant. Donc ça peut engendrer des disparités de pouces. Donc l'alignement nord-sud permet justement d'être beaucoup plus homogène. Alors durant la pousse, vous allez avoir besoin de nourrir vos arbres d'une autre manière qu'avec les mulches. Et donc il va falloir un petit peu les aider à bien pousser. Donc on va leur mettre des petits engrais liquides de boost pour les aider. Alors il y en a deux que j'utilise qui sont parfaits pour ça. Le premier, c'est le purin de Consoude. Et le deuxième, c'est le purin d'ortie. Alors en général, le purin de Consoude se fait avant, puisque tout simplement la Consoude pousse un peu plus vite que l'ortie au début de saison. Donc dès que vous avez suffisamment de Consoude, vous en faites un purin. Je ne vais pas vous apprendre la recette du purin, vous allez en trouver plein sur Internet. Moi, j'utilise 100 litres de purin dans une cuve à eau de 1000 litres et je l'arrose entièrement sur toute la pépinière, sur 600 mètres carrés ici. Ce qui fait à peu près 1,5 mm de purin, si je ne dis pas de bêtises, par mètre carré. Enfin, 1,5 mm de pluie, de purin. Voilà. Donc ça permet d'aider les plantes à bien démarrer. Donc ça, vous l'appliquez quelques semaines après la plantation. Et puis dès que vous en avez à l'ortie, ben vous en faites également à l'ortie. Voilà. Et vous pouvez en mettre tous les 3-4 semaines régulièrement sur toute la saison si vous voulez. Voilà. Pensez à recharger vos mulches, de tondes notamment, et de tout ce que vous avez sous la main. Ça permettra de continuer à nourrir votre sol et vos plantes, surtout, et puis surtout votre sol en fait. Et puis, dernière chose, vu que de toute façon vous n'y couperez pas, il y en aura sûrement forcément un petit peu, pensez à désherber. Parce que ben voilà, vous allez avoir tout un tas de plantes sauvages adventices qui vont pousser, comme ce magnifique chardon. Donc, ça pique. Donc, vous les tirez. Voilà, vous désherbez. Et quand c'est désherbé, je vous conseille de faire le désherbage en premier. Parce que si vous mettez des purins et des mulches, vous allez nourrir vos plantes sauvages. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'on veut que ce soit les arbres qui poussent et pas les plantes sauvages cette fois-ci. Donc, commencez par les désherber. Ensuite, vous appliquez par exemple le purin. Et ensuite, vous rechargez en mulch. Voilà. Si vous appliquez tous ces petits conseils, eh bien, vos chances de réussite de vos greffes vont largement augmenter, puisque déjà les bourgeonnages, c'est capital. Et puis après, une bonne pousse également, c'est capital pour que la cicatrisation se passe bien. Kenabo, Kenabo!